Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Installez-vous aujourd'hui, tuto sur Valorant pour comprendre le fonctionnement de la nouvelle map Icebox. Les mécaniques un petit peu, les choix, les rotations, les déplacements, les positionnements qu'il faut avoir, comment un petit peu aborder défensivement cette carte qui est pas très appréciée il me semble, et un petit peu technique. Et donc je vais essayer de vous expliquer le pourquoi, du comment, de comment elle fonctionne. Avant ça les potos, n'hésitez surtout pas à vous manifester dans les commentaires et dans la barre de like si vous appréciez ce contenu. Les non abonnés, n'hésitez surtout pas à vous abonner aussi si vous appréciez le contenu Valorant, CSGO, les tutos, les guides, l'actualité un petit peu de l'e-sport que je fais tous les lundis sur ma chaîne Twitch, le jeudi les tutos aussi. Donc c'est parti. Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins cher que sur le Steam Market, et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple, ou il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Donc merci beaucoup de passer par là, ce site est sûr, je n'en ferai pas la promotion si ce n'était pas le cas, et ça fait quand même des années maintenant que moi-même je l'utilise, j'ai même revendu mon inventaire, donc n'hésitez pas à passer par là. On part sur Valorant, on est sur Icebox et je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement mécanique de la carte. Donc on est en défense les gars, déjà je vais vous montrer la carte, à quoi elle ressemble. Normalement, les CSE, on va appeler ça les CSE, les frérots qui jouent à Counter-Strike, devraient voir des similarités avec Cash sur cette carte. Normalement, on a le mid ici, d'accord? La petite vente, le petit conduit qui était B, ben il est là, d'accord? Avec le petit trou ARA qu'il y a ici. Mais elle est inversée, d'accord? On a le BPA qui est à gauche. On a, on va dire la corne de cash qui peut rejoindre le A ici. Et on a le B qu'on peut venir par soit le lobby, soit par le mid avec la vente entre guillemets. Donc, on va jouer cette carte plus ou moins en 2-1-2. Ça veut dire deux défenseurs en A, un middle et deux B. Les deux B, si le point, ça va être le mid sur cette carte. Vous vous doutez bien que ça va être le mid. Donc, il va falloir tenir cette zone, mais aussi le pipe avec la cuisine. Donc on va en mettre un défenseur ici, support là et là qui doit jamais mourir. Donc c'est l'appui un petit peu mid, on va dire ça comme ça. Donc c'est comme sur cash où on doit pas mourir du Z, on doit pas mourir 20, etc. On doit reculer le plus possible pour, on va dire, identifier un petit peu la zone où vont attaquer les adversaires pour se regrouper et mettre en place un setup défensif. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais c'est pas comme sur Haven, etc., où il y a des execs à 5 d'un côté et vaut mieux faire des paris, prendre l'info très vite et regrouper. Sur cette carte, va vraiment falloir être éparpillé et dire ok, il y a beaucoup de bruit en B, je pense que ça va être du B, ok, alors toi tu vas roter en B, toi tu vas roter en A, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les pivots sont très importants sur cette carte. Donc les deux pivots sont celui qui s'occupe de la kitchen, voilà, de la kitchen, de la cuisine. Et celui qui s'occupe du A à Z, entre guillemets. Alors on va appeler ça le Z. Parce que si ça passe en A, qu'il y a beaucoup d'activités en A, genre machin en A, ce mec-là va devoir faire une rota latérale pour aller aider en A, pour être un troisième point d'appui. Le mec du B, il se passe rien en B, il est en appui sur le B, en point d'appui sur le B, tranquillou, il est là, vas-y, les gars, j'ai le B de loin, d'accord? J'ai le B de loin d'ici. Et genre j'ai le mid par exemple, il peut que rester là et là, là et là, ou genre que ici à tenir le mid. Enfin vous avez compris que il faut qu'il garde cette zone là, c'est très important d'avoir l'info ici, parce que si votre pote tourne là-bas, ça c'est vulnérable. Donc vous vous doutez bien que en gros il faut que lui, au lieu qu'il switch ici, si l'autre prend le B, lui il va devoir tourner pour prendre, dire ok c'est bon les gars j'ai votre cul, en tenant la ligne là-bas. Et si lui saute en B, vous êtes en 3-2 cette fois. Donc lui, il va tenir le mid, mais il faut vraiment qu'il le prenne de manière agressive pour pas avoir l'info que ça passe Z. Et donc votre pote en B va devoir tenir son B. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est vraiment une map qui est vraiment beaucoup plus similaire à CS. Les gens la détestent parce qu'elle a 3 points de hauteur différentes. On peut être genre ici au sol, ici en hauteur,
ou ici, d'accord? Il y a vraiment des points de hauteur qui sont horribles, on va dire ça comme ça, sur la carte. Et donc, en A par exemple, vous avez encore une fois un niveau de hauteur, deux niveaux de hauteur et même trois niveaux de hauteur. Ce qu'il faut, c'est limiter les grands duels. Donc je vois tout le monde mourir là comme ça, jouer les duels longue distance, etc. Le but, c'est d'avoir les infos. D'avoir les infos, de bloquer, de reculer et d'essayer de créer des setups. Donc un qui va se cacher ici, un qui va être en crossfire là. Dès qu'il y a un shoot, l'autre va devoir se taper ou ce genre de choses. C'est une map qui va se jouer beaucoup plus lentement que les autres. C'est une map qui va se jouer beaucoup plus de manière à ce que joue CS. C'est prise de zone, faire un fake, s'infiltrer middle, faire un fake en B, s'infiltrer middle, faire un fake en A, s'infiltrer middle et faire des pics un peu partout. Parce que c'est vraiment une map où on doit être éparpillé et où la com doit être vraiment, vraiment, vraiment très claire. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais clairement, la carte est techniquement une des plus élaborées, je trouve, de tout Valorant à l'heure actuelle. Je pense que c'est une des cartes qui a le plus de potentiel. Même si elle doit être un peu épurée quand même. Parce que, y a beaucoup trop de niveaux de hauteur à mon goût. J'en mettrai que 2 et pas 3. Mais grosso modo, voilà. Il va falloir jouer 2 en A. Un middle. Un pivot B. Un B. Comme sur cash. Exactement comme cash. Vraiment. Genre 2 en A. Un middle. Et 2B, mais genre 1,5 en B, quoi. 1,5. Genre, tant que t'as pas perdu cette zone, tant que tu sais que c'est pas passé ici, tu vas pas à 2B, comme sur cash. Tant que tu sais que les conduits, il n'y a rien, bah t'as pas besoin. Donc c'est pour ça que je vois des gens jouer à 2B, prendre le conduit d'ici, genre juste pour apprendre l'info, etc. J'aime pas voir ça. Mais j'espère avoir été clair, en tout cas, sur le fonctionnement de la carte, qui clairement va se jouer à la prise d'info de loin et pas mourir, faut reculer comme sur cache. Ça veut dire que tu prends l'info ici, ça passe, ok, je recule. Tu prends l'info ici, ça passe, ok, je recule. Pas, je recule. Et là, tu gardes ton mid par exemple, d'accord? Tu gardes le conduit entre guillemets. Et si ça passe BP, c'est pas grave, mais au moins t'as le conduit et ce genre de choses. Il faut délaisser des zones pour en jouer des autres et essayer de coller les rotations. C'est comme ça qu'il faut jouer sur cette carte. Malheureusement, ça s'adresse à un jeu d'équipe. En solo queue, duo queue, etc. Je pense que ce sera la map la plus dégueulasse possible. Parce que clairement, il va y avoir des infiltrations partout. C'est un jeu qui sera très lent. Il n'y aura pas des mecs à 5 qui vont exécuter ce genre de choses. Voilà. J'espère avoir été clair. Je pense pas que c'est pour les mecs de CS, ouais. Mais pour les mecs qui vont vouloir que du Valorant et qui n'ont pas de points, on va dire, de comparaison avec Cash, par exemple, je pense que pour vous, ça va être un peu plus compliqué, honnêtement. Mais bon, j'essaie d'être le plus clair possible. Je suis désolé si ça n'a pas, si ça n'a pas été le cas. N'hésitez surtout pas à vous manifester dans les commentaires. Like et abonnez-vous.